Yahoo petit mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est donc sur la vidéo les séries qui commencent et se terminent pour moi pour le mois donc de novembre. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je le rappelle au cas où, on est donc sur les séries qui commencent et qui se terminent potentiellement et qui surtout m'intéressent. Donc je vais uniquement te présenter les titres que j'envisage plus ou moins d'acheter. Alors plus ou moins. Les titres m'intéressent, les titres je les envisage, je vais les acheter. Après, est-ce que je vais passer le cap en novembre? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vraiment les titres où quand j'ai regardé la liste, le planning de sortie, je me suis dit, toi, tu vas finir chez moi. Donc voilà, donc il y a plein de titres qui ne seront pas présentés parce que mon but n'est pas de te présenter tout ce qui va sortir. Si tu veux vraiment savoir les sorties chaque semaine, je t'invite à aller voir la vidéo et la chaîne surtout de mon ami Dragmar, qui est un de mes amis qui fait du coup toutes les semaines des sorties de la semaine. Toujours est-il, on va commencer donc avec les mangas qui sortent le 2 novembre. On va avoir Attrape-moi si tu peux, qui est un yaoi des éditions Akata, qui est donc dans la catégorie héros, tu as compris, romance. C'est un one-shot âge conseillé aux 16 ans et plus. Je rappelle au cas où, si je regarde dessous, c'est j'ai fait ma liste. Pour une fois, tu n'as pas l'application à côté. Ensuite, on a le Bastillon de l'Alchimiste, un shonen des éditions Komiku, dans le genre aventure et action. La série est toujours en cours en 3 tomes. Alors moi, j'ai vu toujours en cours, mais il me semblait avoir lu sur l'extrait même que la série était terminée en 3 tomes. Donc ça reste à vérifier au niveau de cette information-là. Et il est âge conseillé aux 12 ans et plus. Le Bastillon de l'Alchimiste, donc je te l'ai mis, donc tu comprends bien qu'il m'intéresse. Mais je te donnerai après un avis plus détaillé au niveau de mon avis sur ce titre. Avec une vidéo, Extrait Manga, j'achète ou pas, mix, donc avec toutes les maisons d'édition confondues, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à dire, et je sais plus si je l'ai dit, mais il était des éditions Komiku. Le gars qui enlève ses chaussons en pleine vidéo, tout va bien. Ensuite, on continue avec Country Diary, c'est donc un yaoi des éditions Akata, qui est donc dans le genre romance et tranche de vie. La série sera terminée en 2 tomes. Et donc la série est âge conseillé aux 14 ans et plus. Je crois que j'ai pas toujours mis quand c'était en cours. Voilà, il y a potentiellement eu un petit loupé là-dessus. Donc une fois de plus, c'est un manga des éditions Akata. À savoir que là, je crois que tous les titres des éditions Akata que je t'ai listés, je les ai demandés en collab. Donc voilà, là t'es sûr et certain, je les aurai. Après, honnêtement, je ne vais pas les lire en novembre, mais je les lirai plutôt en décembre, etc. Après, titre en one shot, je le lis tout de suite. Titre en 2 tomes, j'attends le tome 2. Tu me connais à force si tu me suis depuis un petit moment. Sinon, n'hésite pas à me demander comment je fonctionne vraiment au niveau de mes lectures. Après, on a Humanimal, donc un mélange de humain et animal. C'est un seinen des éditions Pika qui est dans le genre suspense et fantastique. La série est terminée, je crois bien. Oui, terminée en 13 tomes. Et la série est âge conseillé aux 14 ans et plus. Donc, en ce qui concerne ce titre, on est potentiellement sur un manga assez bizarroïde. Je crois que du coup, suspense est fantastique. Voilà, en plus, titre halloweenesque. Donc, pour ceux qui ne le savent vraiment pas, qui débarqueraient au cas où, je suis un gros accro à tout ce qui est titre Halloween, fantastique, créature fantastique, trailer, gore, etc. Donc, je suis bon public. Après, série terminée en 13 tomes, donc tu te doutes, je vais au moins laisser passer la première année et voir si je peux l'avoir en occasion ou si je peux l'avoir potentiellement dans mon calendrier de l'Avent, donc de 2024. Je pense qu'il va être dans ma wishlist du calendrier de l'Avent 2024. Ensuite, Lilo et Stitch, aventure à Hawaï, c'est un shonen des éditions Nobi Nobi, une fois de plus. Je te rappelle au cas où que j'ai déjà présenté les deux autres mangas des éditions Nobi Nobi qui parlent de Lilo et Stitch, enfin de Stitch plutôt. Et donc c'est dans le genre comédie, fantastique, c'est un one-shot à je conseille aux 8 ans et plus. Et à savoir que lui, bah, dès que je rentre sur Bordeaux, parce que là je le redis, on est le 30 octobre au jour où je filme, même si toi tu vas voir sûrement la vidéo en début de semaine, enfin dans la semaine même, je rentre moi lundi prochain je crois sur Bordeaux, mais ça va être mon premier achat. C'est vraiment le premier, même que quand je vais rentrer dans la boutique, dans la librairie manga, Lilo et Stitch. Après je ferai le reste, et Lilo et Stitch, promis. Et le premier aussi sur la pile quand le vendeur, la vendeuse scannera, ce sera le premier aussi. Voilà. Bref, toujours est-il, Lilo et Stitch, je suis un gros accro à l'univers Lilo et Stitch. Il y a un Stitch ici d'ailleurs. Il me le faut. Voilà.
et je le présenterai bien entendu. Je pense que je vais essayer de le glisser vite fait dans les vidéos de décembre pour le présenter, même si j'ai déjà un code mot normalement pour du coup le mois de novembre, à vous voir sur ma vidéo pile à lire, mais je pense que je le rajouterai parce que ça, je veux le lire et c'est limite lecture J1. Le jour où je l'ai acheté, je le lis. Après, on a Old Fashion Cupcake White Cappuccino. Ouais, merci pour le titre à rallonge. C'est un yaoi des éditions Akata dans le genre romance et tranche de vie. La série est terminée en 2 tomes et je vais t'expliquer un petit truc après. Âge conseillé aux 16 ans et plus. Alors, à savoir en ce qui concerne ce manga... je veux vérifier juste les infos. À savoir en ce qui concerne ce manga qui est terminé en 2 tomes, mais le premier tome en fait est déjà sorti il y a un petit moment de ça. On a beaucoup attendu la suite et donc le tome 2. Akata nous avait déjà prévenu à la base que c'était une série en 2 tomes, mais on n'avait pas eu le tome 2 et là on l'a enfin, donc voilà. Pareil, je crois que je l'ai demandé, même si je n'ai pas encore lu le tome 1. Ça, j'aime pas du tout. Je t'avoue que j'ai pas du tout aimé le demander alors que j'ai pas lu le tome 1, mais je me suis dit que potentiellement il valait mieux que j'ai les 2 tomes pour pouvoir faire un avis direct, donc voilà, une petite économie. Si j'aime pas, je le ferai gagner en concours. Voilà. Après, on a Scramblou, qui est un yaoi, encore une fois des éditions Akata, dans le genre romance et tranche de vie. C'est un one-shot âge conseillé aux 14 ans et plus. C'est un yaoi des éditions Akata. J'ai pas grand-chose en fait à vous dire pourquoi j'ai voulu m'intéresser à ce titre. Vraiment, c'est Akata, moi, on me donne la liste, j'ai regardé les résumés, j'ai vu qu'il me plaisait, hop, je l'ai demandé, je le reçois. Voilà, hein, j'ai pas encore reçu, alors qu'on est le 30 d'ailleurs octobre. Et en plus, il y a... il y a des jours fériés là prochainement. Bref, toujours est-il. On continue avec les séries qui commencent donc le 8 novembre, cette fois-ci, on a 2 titres. On va voir le Guide des chats baroudeurs, c'est un Kodomo des éditions Soleil dans le genre animaux tranche de vie. La série est un one-shot âge conseillé aux 6 ans et plus. J'ai bien aimé comment j'ai sorti la fin. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne donc ce Kodomo, c'est un manga des éditions Soleil, c'est un Kodomo, j'adore les Kodomo, c'est une histoire de chat. Qu'est-ce qui vous fout de plus vraiment comme argument? Je ne sais pas, potentiellement, s'il vous faut autre chose, c'est que... Après, on a Mover Parasite, qui est un manga des éditions Mangetsu, et c'est un seinen dans le genre suspense et trailer. La série est toujours en cours avec 5 tomes déjà au Japon, et nous sommes sur un manga âge conseillé aux 14 ans et plus. J'ai des gros problèmes de voix aujourd'hui, oui. Donc, en ce qui concerne ce manga, potentiellement, il m'intéresse. Donc voilà, après, toujours en cours, 5 tomes. Très clairement, ça part sur la wishlist du calendrier de l'Avent de 2024 et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le manga m'intéresse, le résumé m'a plu. De toute façon, s'ils sont mis là, à chaque fois, j'ai lu les résumés, donc ils m'intéressent. Après, voilà, quand je vois 5 tomes toujours en cours, je me dis que j'ai le temps, donc ça attendra. Encore le one-shot, le Kodomo là de Soleil. Le guide des chats baroudeurs, ça va être acheté pareil, J1 entre parenthèses, hein. Là il n'y a pas de pression de il me le faut absolument comme par exemple Lilo et Stitch, mais il sera acheté très rapidement et il sera présenté aussi très 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 rapidement. Je pense même que je vais me le garder dans les lectures de Noël. Alors ce que j'appelle lecture de Noël, c'est au niveau des dates entre les deux fêtes en fait, entre le 24, 25 à 1er 2 janvier, donc voilà. Ensuite, on a le 15 novembre, Colette, Mémoire d'une maison close. Donc c'est un Josei, c'est un manga des éditions Pika dans leur collection graphique. Il est dans le genre tranche de vie historique. La série est en 2 tomes, je crois qu'il est terminé en 2 tomes. Âge conseillé aux 16 ans et plus, et surtout à savoir un truc, il est à 25€. Donc, il y a 2 solutions. Soit je le trouve en occasion, d'ailleurs je vais mettre ma vendeuse préférée sur le coup, pour les boutiques d'occasion sur Bordeaux, et soit je le chope potentiellement en numérique, s'ils le mettent en numérique, Pika, soit j'attends Noël,
Soit je regarde si la librairie à Bordeaux, la bibliothèque à Bordeaux, là, pour ne pas avoir le payer, parce que 25 euros fois 2, ça fait extrêmement mal au fion. Même si j'avoue que c'est un pictographie, donc c'est un grand volume, etc., ça fait mal. Ensuite, le 15 novembre, nous avons Clown Doctor des éditions Nazca dans le genre drame et tranche de vie. La série est un one-shot à je conseiller aux 14 ans et plus. Alors ça, il faut savoir qu'il y a très longtemps de ça, je ne sais plus trop précisément, mais Nazca avait annoncé plein de nouveautés pour l'année 2023 et quand je l'avais vu, vraiment, il était dans ma wishlist dès le départ. Vraiment, J1 où j'ai eu l'info, j'étais là, il me le faut, je le veux. Donc, pareil. Lui, alors je vais voir si Nazca veut bien me l'envoyer en collab. S'il me l'envoie pas en collab, c'est J1, pareil, je l'achète. Après, forcément, une fois de plus, je le redis, mais t'as vu ma vidéo pile à lire pour le mois de novembre, elle est pleine, donc ça attendra. Ça attendra sûrement le mois de décembre. En plus, j'ai d'autres titres aussi de Nazca à te présenter, donc voilà, potentiellement ça rajoutera sur la vidéo Nazca, mais. En gros, il me le faut quand même, hein. Ça c'est clair et net. Ensuite, le 15 novembre, nous avons Petit Encas, Monsieur. Ah oui, Petit Encas de Monsieur Matcha. C'est un kodomo des éditions Nobinobi Nobi dans le genre tranche de vie et gastronomie. C'est un manga avec un tome toujours en cours et il est à je conseiller aux 8 ans et plus. Et ça, je tiens à te faire une parenthèse parce que le même jour, on aura Pan Pan Panda, Une vie en douceur, mais à son double volume. Alors. On est là. Pan Pan Panda, Une vie en douceur. C'est un manga que j'ai donc depuis qu'il est sorti. À savoir que j'ai fait une vidéo présentation de ce titre. À savoir que c'est un giga coup de cœur pour moi. Il n'est pas resté dans mes étagères parce qu'il y a un panda dessus. Mais vraiment parce que j'ai aimé l'œuvre. Oui, je n'ai pas été influencée par cette bestiole là, potentiellement. Je l'ai vraiment aimé. Et donc, du coup. Il y a donc une nouvelle œuvre qui est donc Petit Encas de Monsieur Matcha, qui est un chat a priori, et vraiment, voilà, ça aussi, par contre, c'est Day One. C'est Day One, voilà, c'est par cet auteur qui a écrit aussi Neko Jima, l'île des chats, qui est un one shot que j'arrête pas de te vanter, de te présenter, de te faire des recommandations dessus, etc. Donc, clairement, c'est J1. Et pour Pan Pan Panda, Une vie en douceur, édition double volume, il se peut potentiellement que je sois un royal pigeon. Parce que j'ai l'intégrale qui est en 8 tomes. Donc, on aura des doubles volumes. Donc, on aura sûrement 4 tomes, si je dis pas de la merde. Et bah, ça sera J1. Voilà. Je suis vraiment. Là, par contre, je suis un pigeon. C'est juste parce que c'est un panda. Hein, soyons honnêtes. Et que j'ai kiffé. Mais je veux aussi la version double volume. Ça, clairement, par contre, c'est le genre de Kodomo que. Alors, mon neveu Okami n'a pas encore lu. Je vais peut-être lui présenter parce que il n'y a pas l'âge de recommander derrière, mais ça doit être 6-8 ans, donc il a 7 ans. On va peut-être attendre. Mais par contre, le deuxième neveu, mon petit magicien, là, obligatoire. De toute façon, la maman, c'est l'avantage, c'est que la maman. Sera plus facile à séduire pour lui faire lire. Et clairement, ça, c'est vraiment le Kodomo que je veux que mes neveux lisent. J'en ai deux, ils vont y passer. Ensuite, on continue avec le 15 novembre avec un second au revoir. C'est un seinen des éditions Delcourt Tonkam dans le genre tranche de vie et suspense. La série est toujours en cours avec 3 tomes et c'est une série à je conseiller aux 12 ans et plus. Je vais peut-être poser Pan Pan Panda. En ce qui concerne donc ce manga, il avait l'air plutôt sympa. Je crois que c'est dans la nouvelle catégorie des éditions Delcourt Tonkam qui est une catégorie que j'apprécie plus ou moins. Donc voilà, j'ai très très hâte de découvrir ce qu'il peut valoir, mais toujours en cours, 3 tomes. En plus des courts Tonkam, des fois ils mettent une éternité entre 2 volumes à les sortir. Donc je me méfie et je vais attendre vraiment que la série soit terminée. Petit patafic. Je crois que je vais le garder ça. La petite voix là. Le petit couinement avec la patafix. Ensuite, on termine donc avec les séries qui commencent pour moi avec le 22 novembre, Un amour dans le salon de thé. C'est un josei des éditions Glénat dans le genre romance, âge conseillé aux 14 ans et plus. Et c'est un manga toujours en cours avec déjà 8 tomes. Amour dans un salon de thé, le résumé m'a vraiment, vraiment, vraiment foutu une claque dans la gueule.
J'avais trop envie de le lire, mais en fait, dès que j'ai vu l'annonce, j'avais envie de le lire tout de suite, le bouquin. Donc, vraiment, je veux trop savoir ce qu'il peut valoir. Et en plus, c'est un josei. On n'est pas dans les shoujo. D'ailleurs, je crois que bah, j'en ai pas présenté. D'ailleurs, je pense que vous l'avez compris aussi. J'essaie de me détacher de plus en plus des shoujo. Vraiment, les histoires de lycéens, de tout ça, ça me. Non, c'est plus pour moi. Donc, voilà. Et pour les séries qui se terminent, techniquement, si j'ai bien compris, il n'y en a qu'une pour moi. Voilà. Ça serait Arasaki. Donc, c'est un seinen des éditions Omake Manga. C'est dans le genre suspense et fantastique. La série, donc, termine en 2 tomes. Et H Conseil aux 14 ans et plus. J'ai le tome 1 dans les étagères. Donc, j'attendais juste que le tome 2 sorte. Par contre, je ne le lirai pas en novembre. Il n'y a pas la place. Mais je pense que potentiellement, décembre ou un truc comme ça, c'est une série courte. On verra déjà, il faut vraiment que je vois déjà ce que ça donne quand j'aurai lu donc tous les mangas que je t'ai présentés pour cette vidéo pile à lire où je t'ai expliqué donc comment j'allais faire pour les vidéos de la semaine du 26 novembre à après. Donc vraiment, pour l'instant, je me lance aucun pronostic de ouais, ça je vais le lire en décembre, nanana. On verra déjà quand j'aurai lu ce que je dois lire en novembre, ce qui se passe, ce que ça fait sur le planning de décembre, etc. etc. Et puis on verra aussi du coup ce qu'il me restera à lire pour décembre. Voilà. Donc cette vidéo sur les séries qui commencent et qui se terminent pour moi pour le mois de novembre est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir aussi pour le référencement et ça aide à YouTube à comprendre que tu aimes ma chaîne et à te proposer des trucs similaires. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Précédente vidéo que je te mets en recommandation. Ici, une autre. Dans la barre d'infos, tu as la playlist du coup... non. À la playlist. La vidéo pile à lire donc du mois de novembre et les achats aussi du mois d'octobre. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Sur ce, à bientôt.